Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce replot du Draw Troll Mandro Show V3, donc saison 3, sur la caricature du streamer Vindict. Donc je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour les quelques descriptions comme d'habitude. Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de ce réupload du Draw Troll Mandro Show V3 sur la caricature du streamer Vindict qu'il faisait à ce moment-là du Minecraft. Donc j'ai été habitué, hein, j'ai commencé par des caricatures Minecraft hein, sur la quand je caricaturais des streamers sur la Millennium Minecraft, et donc, voilà, j'en suis revenu après plusieurs mois de ne pas avoir fait de Minecraft, plusieurs mois, oui, même quelques, même une bonne année, ouais, une année, j'ai arrêté fin 2013, fin 2013, mi-2013, à caricaturer du Minecraft, et après on va dire, de septembre 2013, à peu près, hein, jusqu'à maintenant, bah, je caricature bah, ma façon. Hein. Je dessine plus des trucs cubiques, hein. Je dessine surtout des personnages avant tout. Donc voilà pour ce Draw Troll Mandro Show V3 dont je vous invite à découvrir si ce Vindict continue à vous faire du Minecraft ou proposer d'autres jeux. Je pense qu'il propose d'autres jeux parce que Minecraft, c'est pas qu'il se détériore. Minecraft continue, on peut le voir. Hein. Il est cross-platform maintenant, sauf sur PS4. Voilà, c'est pas un taunt, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est PlayStation, mais leur politique de ne pas faire du cross-platform est un petit peu bizarre,
Ils ont peut-être leurs raisons, mais après, on ne sait pas. Mais donc Minecraft continue et continue encore et encore et encore des mises à jour. Et même va bah, peut-être un jour bah, la version Java, qui bah, s'appelle maintenant Minecraft Java Edition, eh bien va peut-être un jour disparaître pour laisser place à celle sur PC en C++ et donc se faire cross-platform avec les autres parce qu'apparemment c'est pas la Java qui est cross-platform, c'est la celle qui est Windows 10 et celle avec les autres consoles. Donc voilà pour ce Trollman Draw Show V3. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous eh bien, à une prochaine vidéo ou un prochain réupload. Allez, salut à tous.